that. Bonjour sur le stand de Taven. C'est la... comment ça s'appelle ce stand? Light and Building. Light and Building 24. C'est le plus important stand ici, bien sûr. C'est très bien que vous avez nous avez trouvé. Et je vous présente une solution. Ça, c'est le truc, la chose qui est un peu spéciale ici. Une solution entre plusieurs produits qui sont géniaux eux-mêmes. C'est les produits de Taven. C'est le Luxa Levy. C'est un sol. On le voit comme sol normal ici. Et c'est notre assistant vocal. Un produit. Et le sol, c'est quelque chose qui est fascinant ici. Il détecte les personnes. C'est une mesure capacitive, c'est-à-dire là où je suis. On le voit ici sur l'écran. Le sol, il informe où je suis, si je suis dans la pièce déjà, si je rentre dans la pièce, si je m'en vais de la pièce, si je vais dans le lit, si je sors du lit. Et à chaque fois, j'ai un message. Ah voilà, maintenant, le monsieur, il est rentré dans le lit. Et dans ce cas-là, je vais lui demander, est-ce que tu veux que la lumière s'éteint? Et si je dis oui, voilà, la lumière s'éteint. C'est la différence d'un assistant où il faut toujours demander. C'est une assistance proactive, c'est-à-dire c'est vraiment l'assistance qui travaille pour l'habitant. Et comme ça aussi, on peut, par exemple, si on s'en va de l'appartement très tard le soir, 22h, et on est peut-être un peu perdu, on peut demander, est-ce que c'est pas trop tard pour toi? Est-ce que c'est pas mieux si tu restes encore un peu à la maison? Et s'il s'en va quand même, on peut appeler les proches pour leur avertir qu'il n'est plus là. Même chose quand tu es dans la cuisine, tu sors de la cuisine, tu peux demander, il y a encore le four qui est allumé, est-ce que tu ne veux pas éteindre le four? Et voilà, s'il n'éteint pas, on peut éteindre le four par la domotique. Ça, c'est le but. Alors, assister les personnes âgées, ça doit être automatique, ça doit être facile. C'est pas nécessaire que lui demande l'assistant, c'est l'assistant qui doit demander. Et c'est ça qu'on veut démontrer ici. Alors, en plus, alors notre Aragon, c'est un assistant un peu spécifique. Il travaille offline, alors sans la connexion Internet. Tout ce qu'on parle, ça reste à la maison. Mais c'est aussi une certaine indépendance. Même si la connexion Internet ne marche pas, il travaille, il peut communiquer. Bon, bien sûr, s'il doit appeler de l'aide, il faut une assistance pour la connexion, pour l'extérieur. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Ça, c'est la fonctionnalité, mais aussi l'intégration. Elle doit être aussi facile pour une chose comme ça. C'est ça aussi le but. L'intégration, ça s'est fait très, très facilement avec justement Luxa Living. Parce que Luxa Living, vous avez un logiciel qui est là pour la programmation. Ça s'appelle Luxa Plug. Et avec ce logiciel, vous pouvez configurer la connexion entre les produits. Et avec cette configuration, vous pouvez également configurer la visualisation. Vous avez une application qui marche aussi comme ça. Et lui, il fait la même chose comme la visu. Il retire toute l'information de la programmation qui est faite. Et vous pouvez directement parler aussi avec l'installation. C'est le but là. Et maintenant, une petite démonstration, bien sûr. Alors ici, vous voyez, je me déplace. Un peu plus seul, vous êtes debout là, vous ne bougez pas. Et maintenant, si je me couche devant vous, avec un peu de chance, ça marche. Et maintenant, lui, il va dire, est-ce que vous avez besoin d'aide? Il y avait une alarme? Oui. Ok. Et s'il n'y a pas de réponse, il va appeler de l'aide pour que, voilà, il y a quelqu'un qui peut rentrer.